Chers élèves, bonjour à tous. Comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va présenter les aliments. L'akl ou l'at'ama. Alors, au marché, on peut acheter quoi? On peut acheter au marché ou bien au supermarché. On peut acheter des fruits. D'accord? Alors, ce sont quoi les fruits en français? On a les bananes. Les bananes, ou bien les citrons, les pommes, les oranges, les fraises, les raisins, encore une fois. Les bananes, les citrons, les pommes, les oranges, les fraises et les raisins. D'accord. Les légumes, on peut acheter de l'ail, les petits pois. Les tomates, les pommes de terre, les concombres, les carottes et les oignons. Encore une fois, de l'ail, les petits pois, les tomates, les pommes de terre, les concombres, les carottes et les oignons. D'accord. Les viandes, on a de la viande. De la viande, du jambon, du poulet. Alors, encore une fois, de la viande, du jambon, du poulet. Maintenant, avec la poissonnerie. À la poissonnerie, on peut acheter du poisson, du saumon, du thon. À la boulangerie, on peut acheter du pain. Une baguette, un croissant. À l'épicerie, on a des céréales, des œufs, de la farine. À l'épicerie encore, on peut acheter de la confiture, du sucre et du sel. Des produits laitiers, on peut acheter du beurre, du lait, du fromage.
On peut acheter encore du yaourt, de la glace, de l'huile. À la pâtisserie, on peut acheter des pâtisseries. On peut acheter encore un gâteau. Exemple, un gâteau au chocolat. Et encore une tarte. Les boissons, on a du café, du thé, du cola, de l'eau, de l'eau minérale. Et du jus de fruits. On peut dire encore du jus de fraise, du jus d'orange, du jus de fruits. D'accord? Maintenant, chers élèves, on a les verbes qu'on utilise avec les aliments. طبعاً عشان أتكلم على الأليمون أو الأكل لازم أستخدم أفعال معينة. هي الأفعال يا ولاد. أول verb عندي اسمه manger. Manger. Alors, le verbe est de premier groupe qui se termine par ER. Pour conjuguer ce verbe, c'est très très facile. On va effacer le ER et on ajoute les terminaisons. Alors, ce sera avec je mange avec la terminaison E. Tu manges, ES. Il, elle, on mange avec E. Nous, faites attention, chers élèves, avec le pronom sujet ou le pronom sujet nous, on ajoute E-O-N-S. C'est pour la prononciation. طبعاً, زدنا أو ضفنا E يا ولاد قبل O-N-S بس عشان النطق. طيب, alors, nous mangeons, vous mangez, Z, il avec S, elle avec S, mange. Alors, autrefois, je vais prononcer la conjugaison. Manger, je mange, tu manges, il, elle, on mange, nous mangeons, vous mangez, il, avec S ou elle avec S, mange. Le deuxième verbe qu'on a ici, c'est le verbe prendre. Prendre, on peut dire c'est que manger ou boire. Alors, prendre, ça sera la conjugaison comme ça. Je prends, tu prends, il, elle, on prend, nous prenons, vous prenez, il, elle, prennent. Autrefois, je prends, tu prends, il, elle, prend, nous prenons, vous prenez, il, elle, prennent. Maintenant, avec la conjugaison de verbe boire, ça veut dire quoi boire? Boire. Je bois du café, je bois du jus, etc. Alors, boire, je bois, tu bois, il, elle, on boit, nous buvons, vous buvez, il avec S, elle avec S, boivent. Autrefois, je bois, tu bois, il, elle boit, nous buvons, vous buvez, il avec S, elle avec S, boivent. Maintenant, avec le verbe acheter, ishtiri, là on a isolé ishtiri, akl, amakulet. Alors, le verbe se termine par ER, alors c'est très facile à la conjugaison. J'achète, tu achètes. Il, elle, on achète, nous achetons, vous achetez,
Il ou elle achète. Maintenant, on a un petit exercice, conjuguer le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Nous, le verbe c'est prendre beaucoup de fruits. Alors c'est prénom, prénom. Numéro 2, vous, le verbe c'est boire de l'eau minérale. Qu'est-ce qu'on fait, chers élèves? Oui, bravo, vous buvez de l'eau minérale. Numéro 3, elle, la conjugaison de verbe manger, ce sera quoi? Elle avec S. Alors, E-N-T, c'est ça, bravo. Elle mange souvent au restaurant. Numéro 4, il, avec S, le verbe c'est boire. Hein? Ils boivent du Coca-Cola Light. Numéro 5. Le verbe c'est manger avec le pronom sujet tu. Ça sera quoi la conjugaison? Oui, bravo. La terminaison c'est ES. Tu manges à la cantine tous les jours. Numéro 6. Le pronom sujet c'est il. Le verbe c'est boire. Ça sera quoi la conjugaison? Oui. Bravo, boit. Il boit un café avant de partir travailler. Le verbe numéro 7, le verbe c'est acheter avec le pronom sujet je ou je apostrophe parce qu'il commence par une voyelle. Alors, j'achète. La terminaison c'est e. Numéro 8, le verbe prendre avec le pronom, ah, oh bien, avec le sujet Mona. Mona, normalement, c'est elle. Alors, elle prend ou Mona prend le dîner à 8 heures. Numéro 9, le sujet, c'est les Français. Le verbe, c'est manger, ER. Alors, la terminaison, ça sera ENT. Les Français mangent des croissants au petit déjeuner. Numéro 10. Le matin, tu. C'est ça le pronom sujet. Le verbe boire. Ça sera tu bois du lait. Tu bois du lait. Bravo. Alors, tu manges quoi au déjeuner? Ou bien vous mangez quoi? Non, أخذنا بعض الأكل أو المأكولات يا أولاد حابين نتكلم عنها. Alors, tu manges quoi? Quel thé? Je mange, hein? Ça c'est quoi? De la salade. Je mange du poulet. Ou je mange un gâteau. Ou bien je mange du gâteau. Je prends des frites. Je prends du steak. Je mange du fromage. Tu bois quoi le matin? Et vous buvez quoi? Je bois du café. Je bois des jus d'orange. Je bois de l'eau minérale. Je bois ou je prends du cola. Je bois du lait. Je bois du thé. Merci à vous. On s'arrête jusqu'à là et à la prochaine fois. Au revoir.